Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Joue avec moi, jeu pour enfants. Alors, comme promis, je vous avais dit que je vous montrerai donc l'évolution donc des chenilles qu'on a élevées. Et donc voilà, donc là maintenant, on a des papillons. Donc ça y est, ils sont vraiment sympas. Donc je vous avais aussi également promis que une fois qu'on aurait des papillons, je vous les montrerai et qu'en plus on les mettrait, donc on leur rendrait leur liberté. Donc voilà, on avait des cocons. Voilà, donc là vous avez les cocons. Voilà, donc c'est ce qu'il reste. Voilà. Donc voilà, ils ont quand même, ils sont, on va dire, une sorte de pointe qui est fixée, voilà, pour ne pas s'envoler ou partir, voilà. Donc c'est assez intéressant, assez impressionnant. Voilà. Donc ce petit cocon, voilà, c'est tout pour protéger le papillon contre toutes les intempéries et tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Voilà. Et ensuite, quand ils sont prêts, ils sortent. Et voilà, donc mes papillons sont là. Donc on a... Ils sont assez actifs hein, déjà, hein, comme vous avez pu le constater. Voilà, vous aimez bien voilà, donc les fruits ou de sucrés, enfin des aliments sucrés. Voilà. Bien sûr, parce que bon, la plupart du temps, ils se nourrissent de nectar. Et voilà, mais aussi voilà, ils ont besoin de sucre. Donc, bon. Aujourd'hui, donc, je vais les libérer. Donc, on va les libérer ensemble, bien sûr. Voilà, parce que bon, on va pas le laisser dans ce panier, dans ce filet. Voilà, donc en voilà un. Voilà, donc ils peuvent vivre donc 2 à 5 semaines. Voilà, donc ils sont vraiment mignons, vraiment sympas. C'est vrai que c'était une expérience, une petite chose qui a été super chouette à faire, à réaliser. Voilà, donc c'est super chouette donc d'élever des papillons et puis après ensuite les libérer. Voilà, donc c'est tout un cycle. Voilà, donc on passe de la chenille au petit cocon, au papillon. Donc on voit vraiment toute l'évolution en direct. Donc c'est très très intéressant et très sympa à faire. Voilà. Donc vraiment, c'est vraiment quelque chose de super chouette. Voilà, donc je vous invite à vraiment à réaliser et à élever des papillons vous aussi. Donc c'est vraiment sympa. Voilà, donc bien sûr, faut en prendre soin. Hein. Voilà, donc là tout en haut, on a le troisième hein, papillon. Il est là. Voilà. Voilà, donc ils sont assez actifs, donc bon bah bien sûr ils ont besoin d'être libérés. Voilà, donc bien sûr, bon ça on va pas le faire à l'intérieur, on va le faire dans la nature. Donc pour ça, bon bah on va bien sûr sortir. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de les libérer dans le jardin. Voilà, donc là on est dans le jardin. Voilà, donc là on a un pré, il y a plein de fleurs.
Donc on va pouvoir les libérer, ça va être super, ils vont avoir ce qu'il faut. Donc c'est parti, on ouvre le panier. Donc c'est un peu, il fait un peu froid aujourd'hui par contre, hein. Hop. Faire attention à ne pas justement toucher les ailes parce qu'elles sont très fragiles. Voilà, ce sont des belles dames, hein, la variété du papillon. Voilà, bon, ils ne veulent pas sortir, il y a peut-être trop froid. Allez, viens, tu es libre! Ah, ça y est, ils volent. Bon, il est vraiment parti rapidement. Ah voilà, parti. Bon, il en reste un qu'il va falloir libérer également, hein. Le dernier. Et voilà. Allez, envole-toi. Oh, il est beau. Allez, décolle. Je crois qu'il est tombé dans l'herbe. Ah là, il est là. Donc voilà, donc on observe nos papillons qui ne sont pas encore vraiment, qui n'ont pas vraiment décollé, ils sont encore au sol. Voilà. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, si vous savez des choses supplémentaires sur les papillons pour les partager. Voilà, n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez surtout pas. Et puis on se dit à une prochaine. Voilà, donc si vous voulez encore voir d'autres choses au niveau des papillons, enfin, voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Regardez nos autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne, on se dit à une prochaine, salut!